Bienvenue sur Terre d'Asphalte. Au sommaire de ce numéro, l'essai de la Fiat 500L, du Honda CR-V, de la Chevrolet Malibu, de la Kia Ceed Station Wagon et de la Clio 4. Lorenz Van Den Acker nous parlera du design Renault. Dans notre rubrique verte, nous testerons la Toyota Prius rechargeable et côté passion, notre cœur battra pour la Corvette. Nous passerons sur deux roues avec l'essai de la Triumph Trophy 1200 SE et en exclusivité télé, nous découvrirons le T-Max Hyper Modified by Lazarette. Et tout de suite, nous rejoignons Pierrick qui nous emmène dans les allées du Mondial de l'Automobile de Paris. Bonjour, bienvenue au Mondial de l'Auto! Le Mondial de l'Automobile fait la part belle aux marques françaises, dont le groupe PSA qui présente ici le Peugeot RCZ restylé et aussi Citroën avec ses DS3 Cabrio. La DS3 Cabriolet ne l'est pas totalement, mais on profitera du soleil sans trop de vent. Citroën vise la Chine avec la C4L, une berline tricore qu'on ne verra pas sur nos routes. Dacia Sandero s'offre un lifting, sa ligne est modernisée et son équipement enrichi. Logan, le premier modèle Dacia, change de style et d'équipement pour 2013. La Clio, à peine dévoilée, sa déclinaison la plus sportive, RS, s'expose sur le mondial. Le RCZ est restylé avec une nouvelle face avant. Le double bossage du toit est bien sûr conservé. GTI, trois lettres riches en émotions qui devront faire sensation sur la nouvelle 208. La 208 sait être chic et glamour avec sa déclinaison XY exposée en coloris pourpre nuit. Les marques étrangères profitent également du Mondial de l'Automobile pour présenter leurs nouveautés, à l'image d'Opel avec la Dame, une nouvelle citadine chic et branchée, après avoir créé l'événement la veille du salon dans les rues de la capitale. Ford dévoile à Paris sa Mondeo qui n'arrivera chez nous que fin 2013 en 4 portes, 5 portes et en break. L'incomparable Panda 4x4 est là. Pour 2013, c'est l'électronique qui répartit le couple sur les terrains difficiles. La Mazda 6 est au mondial en berline et en break, avec la technologie Skyactiv découverte sur le CX-5. Plus luxueux, plus prestigieux, mais allégé de 420 kg, le nouveau Range Rover met la barre encore plus haut. Nouveau look pour la Seat Leon qui met l'accent sur les changements et les équipements intérieurs. La Rapide est une toute nouvelle venue chez Skoda qui place cette berline entre la Fabia et l'Octavia dans sa gamme. Sur le stand Volkswagen, c'est la nouvelle Golf de 7e génération qui a tous les honneurs ou presque. La nouvelle Golf GTI devrait satisfaire les puristes. Présentée à Paris, elle n'arrivera que courant 2013. Audi profite du mondial pour présenter les déclinaisons de son A3, l'A3 Sportback et l'AS3 de 300 chevaux. Après les nouvelles Ceed et Ceed SW, Kia lance à Paris son nouveau coupé Pro Ceed. L'essai de la petite italienne voulant devenir plus grande, c'est tout de suite avec le test de la Fiat 500L. Depuis 5 ans avec sa 500, Fiat voit les choses en grand. Et cela est plus que jamais le cas avec la nouvelle 500L. Plus longue, plus large, la dernière née de Fiat l'est assurément. À n'en pas douter, il serait possible de faire rentrer une 500 classique
dans le volume de sa grande sœur. Il faut dire que ses dimensions sont assez conséquentes. Avec une longueur de 4,14 m, une largeur de 1,78 m et une hauteur de 1,65 m. Le pot de yaourt se transforme en pot de fromage blanc format familial. Mais reconnaissons que la cure de vitamines se fait avec une certaine grâce. La 500L garde de la 500 la forme des optiques, le toit d'une teinte différente de la carrosserie et un côté rondouillard. La filiation n'est pas complètement évidente, mais elle existe même si les modèles n'ont extérieurement aucune pièce commune. On trouvera même à l'auto des airs de Fiat Panda, surtout avec sa troisième vitre arrière. Le capital séduction semble cependant bien fonctionner au vu des avis positifs recueillis chemin faisant. À l'intérieur, le tableau de bord se pare d'un effet laqué clinquant, mais proposant une vraie ambiance chaleureuse. La vie à bord est d'ailleurs le point fort de cette 500L. Avec une grande hauteur disponible sous le pavillon et une surface vitrée conséquente, tous les gabarits se sentiront à l'aise quelle que soit la place occupée. L'ensemble est spacieux et lumineux, même si on n'opte pas pour le toit ouvrant panoramique, une option à 1100 euros. À l'arrière, l'accent est mis sur la modularité, avec une banquette qui coulisse et des dossiers 2/3-1/3 que l'on peut incliner pour plus de confort si le coffre n'est pas trop rempli. Celui-ci offre un volume confortable de 400 litres avec les sièges en place. Il dispose d'une tablette qui peut se placer sur 3 niveaux différents pour faciliter le chargement. Que ce soit pour un déménagement ou pour des vacances, la 500L est parée. À la conduite, la 500L offre une assise haute pour une parfaite visibilité de la route, aidée en cela par les imposantes surfaces vitrées. En ville, le mode City rend la direction très souple pour faciliter les manœuvres et se faufiler plus aisément dans la circulation. Un jeu d'enfant. Avec notre motorisation diesel, 1,3 litre multigé de 85 chevaux, la sonorité du moteur est bien présente dans l'habitacle lors des phases de franche accélération. Mais le reste du temps, le tout, c'est se faire discret. Sans doute qu'une boîte à 6 rapports permettrait de réduire cette sonorité tout en consommant moins sur autoroute. Lorsque la route est plus tortueuse, les suspensions agréables en ville ne compensent pas assez le roulis pris par la 500L, obligeant à nettement lever le pied lorsque les virages s'enchaînent. On n'attendait pas le ressenti d'une berline en prenant le volant, mais les passagers arrière risquent de moins apprécier la promenade. Par contre, Fiat reste fidèle à sa tradition de proposer des véhicules bien équipés, avec en plus une touche de technologie comme la lecture de SMS ou l'analyse de sa consommation depuis son smartphone. Disponible en essence à partir de 15 500 euros, la Fiat 500L s'échange à 17 650 euros avec sa motorisation 1,3 litre diesel de 85 chevaux start and stop. Le moteur Twin Air de 105 chevaux est également proposé en attendant l'arrivée pour la même puissance d'un moteur diesel 1,6 litre. A noter enfin qu'une série Opening Edition permet d'acquérir la 500L avec un équipement complet, mais il n'y aura que 200 exemplaires. Un essai express, c'est parti avec la nouvelle Honda CR-V. Apparu en 1995, le CR-V est un SUV 4 roues motrices totalement conçu pour l'Europe dès son lancement. Il est pour la première fois cette année proposé en 2 roues motrices, mais pour le moment uniquement avec un moteur essence. La toute nouvelle transmission intégrale fait maintenant appel à l'électronique pour gagner en réactivité et en poids. Reconnu pour son agrément routier, le CR-V intègre dans sa version la plus haut de gamme de nombreux équipements d'aide à la conduite, vus sur l'Accord et sur les modèles hybrides d'Honda. Cette quatrième génération de CR-V s'offre un nouveau design avec une calandre plus volumineuse, une ligne de caisse plus marquée, des optiques redessinées ainsi que de nouveaux feux à LED à l'arrière. L'ensemble reste malgré tout très consensuel dans la lignée de ce qu'on connaissait déjà sur la précédente génération. Ce qui ne se voit pas est sa hauteur moindre, ainsi que les carénages sous la voiture pour améliorer son aérodynamisme et consommer moins. Dans ce but, le CR-V intègre la fonction autostop à son moteur diesel 2 litres 2 ID.TECH, ainsi qu'un mode éco. Les suspensions arrière multibras ont permis d'abaisser le seuil de chargement du coffre à 2,5 cm. Celui-ci, dont l'ouverture est électrique sur notre modèle d'essai, passe de 589 à 1669 litres en un clin d'œil. Un peu plus proche d'une berline et un peu plus loin d'un SUV à la conduite, cette nouvelle génération du CR-V
intègre tout un arsenal électronique dédié à la sécurité, mais uniquement dans le plus haut niveau de finition Innova. Face à la concurrence, il ne manque à cette version 4.4 qu'un mode pour pouvoir forcer la transmission en 4.2. Le nouveau CR-V arrive en novembre avec une gamme qui débute autour de 25 000 euros en deux roues motrices. C'est une star de la catégorie que nous retrouvons dans la rubrique verte, avec la Toyota Prius dans sa déclinaison rechargeable. Cette Prius ressemble à une Prius tout à fait normale. Et pourtant, il s'agit bien d'un nouveau modèle de la gamme, nommé rechargeable ou plug-in selon les marchés. Et celui-ci complète une saga démarrée il y a une quinzaine d'années. Alors la Prius, eh bien écoutez, elle a démarré en 1997, c'était la première version commercialisée essentiellement aux États-Unis, un petit peu en Europe. À l'époque, c'est vrai que le succès commercial n'était pas encore au rendez-vous, mais on a vu les choses déjà évoluer en 2003 avec la deuxième génération qui véritablement a fait sortir, je dirais, la voiture, le concept du secteur de niche a déjà un concept et un véhicule adapté pour le plus grand nombre. Et c'est véritablement, je dirais, avec la troisième génération que nous avons lancée il y a un peu moins de trois ans maintenant, que le véhicule a été atteint un niveau de maturité à la fois en termes de vente, puisque au total, nous avons déjà vendu plus de 2,7 millions de Prius. Et aujourd'hui, la Prius fait partie des trois véhicules les plus vendus dans le monde. Les ventes en France de modèles hybrides ont progressé de près de 50% à fin juillet et représentent entre 18 et 19% des ventes totales de Toyota en France. La nouveauté sur cette Prius rechargeable, c'est donc l'arrivée d'une batterie lithium-ion de plus grande capacité. Dans la pratique, il suffit de brancher l'automobile sur une prise standard. Et 90 minutes après, le plein d'énergie est fait. Attention cependant, quand on parle de plein, cela sous-entend 25 km d'autonomie maximum, dans des conditions d'utilisation normales. Un coût de climatisation et l'autonomie diminue. Pas de danger cependant de rester bloqué, puisque le moteur thermique prendra le relais. Mais alors que les constructeurs rivalisent d'idées pour passer au 100% électrique, pourquoi ce choix effectué par Toyota ? Aujourd'hui, on a choisi un véhicule rechargeable parce que ça, beaucoup d'études l'ont démontré, les clients ne sont pas prêts à changer leurs habitudes de conduite. C'est-à-dire qu'ils souhaitent à la fois un véhicule avec une autonomie en mode électrique suffisant pour leurs déplacements quotidiens, mais sans pour autant avoir à sacrifier, un déplacement plus important. Or, un véhicule 100% électrique aujourd'hui ne vous donne pas suffisamment d'autonomie, puisque généralement, cette autonomie se situe entre 60 et 80 km pour à la fois vous déplacer, en zone urbaine quotidiennement et puis faire votre déplacement du week-end qui, lui, sera de 100 ou 150 km. Sur une Prius rechargeable, vous n'avez pas cet inconvénient. Vous avez, l'avantage de pouvoir bénéficier dans un contexte urbain du mode électrique et de pouvoir vous déplacer sans aucune contrainte, pendant le week-end et faire de longs déplacements puisque l'autonomie totale du véhicule reste préservée et supérieure à 1000 km. À l'usage, trois modes de fonctionnement sont à notre disposition. Le tout électrique EV, le tout électrique EV City et le Eco en hybride qui limite la réponse à l'accélérateur. En mode EV, au-delà de 85 km/h ou lors d'une franche accélération, thermique et électrique travaillent de concert. Le mode EV City est équivalent mais accepte l'ouverture des gaz jusqu'à 90%, permettant de s'insérer plus facilement dans le flot de la circulation. Enfin, le dernier mode Eco est équivalent à celui de la Prius standard à la différence près que l'autonomie augmentée avec cette nouvelle batterie permet de consommer moins. Toyota annonce en effet 2,1 litres aux 100 km. Soit 45% de moins que la Prius classique sur un cycle normalisé. Le taux de CO2 est de 49 grammes par kilomètre et permet d'accéder à une prime écologique bien plus importante. À la conduite, on ne se soucie pas du fait que notre Prius soit rechargeable ou pas. Mais ce confort a un prix. 32 000 euros bonus déduit. Cet écart de 6 800 euros avec une Prius classique se justifie-t-il ? Alors, l'écart de prix se justifie essentiellement par deux technologies de batterie différentes, puisqu'on a une nickel dans le cas de la Prius conventionnelle et une lithium-ion dans le cas de la Prius rechargeable. Donc les clients que nous visons en première ligne sont avant tout des clients d'entreprise, des professionnels qui utiliseront ce véhicule assez régulièrement,
dans son, je dirais, dans son terrain de prédilection, qui est le mode électrique. Donc, puisque le véhicule, la Prius rechargeable, bénéficie d'une autonomie de 25 km en mode 100% électrique. Avec son coffre de 443 litres, son confort digne de la famille Prius et l'agrément de conduite d'une électrique, cette Prius est une solution homogène pour rouler vert sans peur de rester sur le bas-côté de la route, batterie à plat. Une proposition qui a un coût, mais a l'avantage d'élargir l'offre aujourd'hui disponible pour les acheteurs de ce type de véhicule. Pierrick est toujours au Mondial de l'Auto et nous l'y retrouvons immédiatement. Eh bien, ce Mondial de l'Automobile compte aussi quelques concept cars, dont ce somptueux Peugeot Onix. Peugeot crée l'événement et l'attroupement avec Onix, une sportive qui met en avant le cuivre et le carbone. La ligne des DS de Citroën ajoute le numéro 9. Dévoilé à Pékin, on l'admire désormais à Paris. Honda expose son séduisant roadster e-Vister, une auto électrique qui met en avant la passion. Dévoilée à New York, l'Infiniti LI Concept est une luxueuse berline à motorisation électrique. Avec la LFCC, Lexus dévoile un coupé 4 places dynamique qui préfigure sans doute la prochaine IS. La BMW Concept Active Tourer, entre un break et un SUV, associe un moteur 3 cylindres et un moteur électrique. Une Panamera break hybride fait sensation sur le stand Porsche, la Panamera Sport Turismo Concept. Le Ssangyong iXEV est une version électrique des concepts précédents avec un prolongateur d'autonomie. Le concept 2008, qui préfigure le futur crossover urbain de la marque, rayonne en jaune fluo chez Peugeot. Alors la couleur jaune fluo, c'est une couleur très vibrante, très vivante, très dynamique. C'est une couleur du sport et de cette nouvelle tendance du sport urbain, justement du sport en ville. Il y a un grand retour du fluo dans la mode et dans la mode du sport, mais pas seulement. Et donc c'est une couleur qui nous plaisait énormément pour ce concept, justement, qui a vocation à être urbain, mais un peu sportif urbain, très dynamique, très agile et à la fois sport hors de la ville. Donc ce crossover de ces différentes valeurs, et c'est la couleur qui nous semblait mettre tout ça le mieux en scène. Être ici, c'est aussi l'occasion d'observer des véhicules d'exception, à l'image de cette magnifique McLaren P1. La McLaren P1 s'est dévoilée au Mondial de l'Auto, mais on ne sait encore rien de ses performances. La nouvelle GT3, développée depuis la GT Speed, annonce aussi le retour de Bentley en compétition. Alerte, après la Cruze, Chevrolet poursuit sa conquête de l'Europe. Et c'est avec la nouvelle Malibu. La nouvelle Malibu devient le fer de lance de la gamme Chevrolet. Nouvelle, elle ne l'est pas vraiment, car si c'est la première fois qu'elle met ses roues sur le vieux continent, la Malibu en est à sa 8e génération depuis 1964 de l'autre côté de l'Atlantique. Cette berline routière, qui partage sa plateforme, ses trains roulants et sa motorisation avec l'Opel Insignia, ne s'est toutefois pas contentée de faire le voyage transatlantique puisqu'elle s'est, semble-t-il, adaptée à nos attentes. Du côté du style, on retrouve les canons de la marque, à commencer par les désormais célèbres traits de la calandre qui mettent en avant ses optiques. Il ne lui manque que des feux diurnes pour s'affirmer davantage face à la concurrence très statutaire elle aussi.
À l'arrière, les feux ne sont pas sans rappeler ceux de la célèbre Camaro. Dans le même ordre d'idées, la ceinture de caisse est haute, la poupe imposante et le coffre très nettement détaché de l'habitacle. Dans ce segment assez consensuel, la marque compte beaucoup sur le design de la Malibu pour qu'elle trouve sa place. À la conduite, le moteur 2 litres diesel de 160 chevaux se montre souple dès les bas régimes, mais peu dynamique pour cette puissance de 160 chevaux. La conduite de cette Malibu est malgré tout très agréable sur route et autoroute, un peu moins en ville en raison principalement de son gabarit. Sa direction, la consistance un peu légère, offre malgré tout un guidage agréable et précis, parfaitement adapté à cette familiale qui s'est restée confortable en toutes circonstances. Certes, la Malibu ne propose pas, même en option, toutes les aides à la conduite qu'on peut trouver dans une Peugeot 508 ou une Opel Insignia, mais elle est aussi bien moins chère, avec un écart proche de 5000 euros en sa faveur. Passons sur deux roues, avec l'essai de la très attendue Triumph Trophy 1200 SE. La nouvelle Trophy 1200 met fin à 9 ans de disette pour ce modèle qui n'était plus au catalogue. Les quelques tentatives de Triumph avec des moteurs 4 cylindres sont du passé, c'est maintenant un 3 cylindres qui anime ce modèle. Le moteur et la transmission par cardan sont identiques à l'Explorer arrivé au début de l'année 2012, contrairement à la boîte de vitesse dont le 6e rapport est adapté à l'usage visé par cette Trophy. La voici désormais en version SE, avec l'équipement audio et les suspensions réglables électroniquement. Le grand pare-brise ne déforme pas la vision de la route et se règle électriquement pour une protection efficace. Détail pratique, il s'abaisse automatiquement lorsqu'on coupe le contact et retrouve sa position à la mise en route. Cette Trophy offre un équipement très complet et une excellente protection de la tête aux pieds. On peut choisir entre deux hauteurs de selle, 800 ou 820 mm, ou une selle basse en option. On apprécie également le régulateur de vitesse au guidon droit, l'anti-patinage déconnectable, l'indication de la pression des pneus et le tableau de bord parfaitement lisible et très complet. Pour les bagages, deux sacoches de 31 litres accueillent un casque intégral. Poignées et selle chauffante sont par contre en option. Avec un couple supérieur à 100 Nm sur une large plage de 2500 à 9500 tours par minute, on s'attend à une très grande souplesse. Incontestablement, la Trophy l'est, d'autant que l'accélérateur avec sa commande électronique et le cardan se font oublier. On reprend bas dans les tours sans le moindre à-coup. Il y a toutefois un palier autour de 7000 tours par minute. En dessous, pour doubler franchement lorsqu'on suit le flot des voitures, il est parfois nécessaire de tomber un rapport malgré la cylindrée. En dehors de ce cas de figure, il se montre souple et disponible pour une conduite dynamique accompagnée par la sonorité du 3 cylindres. La sélection peut se faire à la volée pour les plus sportifs, les autres profiteront du 6e rapport qui tire très long pour faire des économies de carburant en enroulant en douceur et en musique. L'ensemble audio est en effet d'excellente qualité, même si le satellite de commande au guidon est un petit peu loin des doigts. Les suspensions réglables électroniquement sur cette version SE s'ajustent depuis le guidon, en précharge pour l'amortisseur et en détente pour l'ensemble. Celle-ci peut être modifiée en roulant. La Trophy s'engage aisément dans une courbe dès qu'on l'incline un peu, mais lorsque le rythme augmente, il faut garder à l'esprit ses trois quintaux et le centre de gravité un peu haut qu'il faudra gérer en situation d'urgence. On apprécie également le freinage ABS couplé avant-arrière avec le report exponentiel sur l'avant de la pression exercée à l'arrière. Ce système limite les transferts de masse, peu confortable pour le passager. Triumph signe donc avec sa Trophy 1200 un retour remarqué sur la scène des GT. Si on ajoute à ses qualités l'entretien réduit avec le cardan et les révisions tous les 16 000 km, le coût à l'usage devrait être contenu. À 18 750 euros pour la SE, la Trophy est proche en tarif des Kawasaki GTR 1400 et Yamaha FJR 1300, en étant mieux équipée et moins chère que la BMW R1200 RT. Dynamique, confortable et protectrice, l'anglaise n'a pas à craindre les concurrentes déjà bien installées. Deuxième partie de l'émission dans quelques instants avec la star française Clio 4, une rencontre avec Lorenz Vandenacker, la présentation de la nouvelle gamme Astra et la suite du Mondial de l'Auto. Le Mondial de l'Auto est encore plein de surprises à découvrir immédiatement en compagnie de Pierrick.
Il y a le mondial de l'automobile, hein, c'est aussi bien entendu du rêve. Bien, par exemple, à l'image de ce CLS Shooting Brake AMG. Chez Mercedes, le coupé 4 portes CLS se décline désormais en brake de chasse, le Shooting Brake. Sur le stand Bentley, un détour s'impose par la magnifique GTC V8 convertible. Avec son roadster type F, Jaguar revient sur le devant de la scène pour renouer avec la passion. Chez Ferrari, seul le châssis en carbone de la P70 est là. Il côtoie la FF, la 458 et la F12 Berlinetta. L'électrique, ce ne sont pas que des véhicules à l'autonomie ridicule, ça peut être aussi des super sportives, à l'image de cette Hexagone Furtive IGT. Chez Hexagone, le salon est l'occasion de découvrir la nouvelle Furtive IGT, la supercar électrique française dans sa version définitive. La DS3 Electrum est presque passée inaperçue chez Citroën. C'est pourtant un concept de DS3 électrique. Mitsubishi offre au nouvel Outlander une version hybride rechargeable avec une transmission intégrale électrique. La Fisker Karma est disponible en France et exposée sur le salon. Le sport et la motorisation électrique ne sont pas incompatibles. La star française revient entièrement revue. La Clio 4 est à l'essai dans Terre d'asphalte. On ne pourra pas reprocher à la nouvelle Clio de manquer de style ou de faire dans le consensuel pour sa quatrième génération. Arrivée en 1991, elle ose cette fois un dessin très remarqué sous la houlette du designer Lorenz Vandenacker, qui crée ici sa première voiture chez la firme Losange en s'inspirant de traits de son concept désir. De profil, on lui trouverait presque un air de Mégane. Plus longue de 35 mm, plus large de 24 mais moins haute de 45 mm, cette nouvelle Clio semble plus posée sur la chaussée, moins ronde et plus dynamique que ses devancières. En un mot, plus proche du segment supérieur. Ses optiques très travaillées, son logo chromé surdimensionné porté avec fierté sur la calandre noire, ses ailes galbées à l'arrière, ses joncs chromés, ses toutes petites custodes, ou encore ses poignées de porte arrière dissimulées, font que quel que soit l'angle sous lequel on regarde cette Clio, on trouve tout un tas de détails à observer. On est bien loin de ce que proposait la Clio 3. D'ailleurs, Renault ne s'est pas trompé en donnant la possibilité de personnaliser cette nouvelle Clio. L'intérieur est lui aussi totalement nouveau. On note le tableau de bord alliant des afficheurs numériques et analogiques, où bizarrement une très grande jauge remplace l'habituel tachymètre sur la droite. On peut désormais choisir des inserts pour égayer l'habitacle, dans lequel quelques plastiques clinquants dénotent un peu. Mais surtout, la console centrale accueille un grand écran tactile de série dès le second niveau de finition. Il s'agit du MediaNav, découvert sur le Dacia Logi qui regroupe la navigation, le Bluetooth et l'audio permettant de connecter son MP3. Enfin, devant le frein à main, un petit bouton écho fait son apparition. En l'enclenchant, on change la réponse du moteur dans le but de diminuer la consommation. À bord, on retrouve un poste de conduite à l'ergonomie conventionnelle sans surprise. Un grand gabarit est bien accueilli à l'avant et n'est pas si mal à l'arrière, avec une place suffisante aux genoux et sous le pavillon, malgré la carrosserie plus basse. La nouveauté côté motorisation est le TCE 90, un petit moteur essence 3 cylindres turbo de 900 cm3, disponible en 104 ou 99 g de CO2 par kilomètre. Il offre une sonorité aussi feutrée que sympathique à l'arrêt qui sait rester discrète une fois en route. Très souple en ville sur les bas régimes,
ce bloc réclame d'être violenté dès les premiers reliefs en jouant sans cesse de la boîte pour rester au-delà des 4500 tours minute, sous peine de perdre son allure instantanément. Dans ce cas, la consommation affiche plus facilement un 7 litres au 100 que les 4,5 litres de la fiche technique. Le moteur diesel DCI 90 apporte du coup bien plus d'agrément sans se montrer tellement plus bruyant. À la conduite, la Clio 4 procure un bon compromis entre confort et rigueur. Ni trop, ni trop peu pour ces deux critères. Pour obtenir ce résultat, la plateforme issue de la Clio 3 accueille un train avant de type pseudo McPherson, un essieu à épure programmé à l'arrière, un empattement allongé de 15 mm et des voies élargies de 34. Le ressenti au volant est tout à fait agréable, même si la direction mériterait une consistance un peu plus ferme en dehors des villes. La perception d'ensemble est malgré tout convaincante. Avec cette nouvelle Clio, l'austérité semble derrière nous, au moins en termes de design. Même si les solutions techniques sont issues pour la plupart de la Clio 3, qu'aucune boîte de vitesse n'a de sixième rapport, que seule la carrosserie 5 portes est disponible et que la consistance de la direction est diversement appréciée, ceci ne semble pas réellement important, non. Le plus important est de se sentir bien à bord, que l'espace de vie soit bon, l'équipement riche et le dessin audacieux. Le moteur TCE 90 manque cruellement de tonicité, mais la nouvelle Clio s'est révélée tout à fait agréable, avec la motorisation diesel DCI 90 également au catalogue. Si la conduite n'est pas une révolution, le style et l'agrément au quotidien le sont assurément. C'est sans doute le plus important. Il est à l'origine du renouveau du design chez Renault, rencontre avec Lorenz van den Acker. En fait, quand j'ai commencé en 2009, le management m'a demandé de commencer un nouveau chapitre, de tourner la virage. Alors on a commencé avec les concept cars, parce que ça, c'est le plus vite. Et on voulait absolument créer plus de cohérence, devenir plus passionné, plus émotionnel, parce que finalement, Renault est une marque humaine. Et je voulais absolument communiquer l'humanité de la marque à travers le design. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé des mots comme simple, sensuel, chaleureux. Et deuxièmement, c'était très important de créer une identité forte pour la marque. Ce n'est pas nécessairement important en France, parce qu'on est partout, mais du moment qu'on sort de France, sort de l'Europe, il faut qu'on soit très visible. Et c'est la raison pour laquelle on a créé une nouvelle face avant, avec un losange plus trophié, plus large, plus confiant. Et c'est ça qu'on va trouver sur toutes les voitures de série. Alors le Clio, pour moi, c'est un symbole de renouveau de design de Renault. Et c'est que le début. Alors on essaie de pas seulement créer une identité pour l'extérieur, à travers l'identité, la face avant, le langage de forme beaucoup plus sensuel et un esprit de passion. À l'intérieur, on essaye de montrer qu'on a quand même une marque innovative avec de nouvelles technologies. La connectivité joue un rôle très important et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver une tablette avec un écran tactile, avec une connectivité inédite et ça va devenir un identifiant des intérieurs Renault. En fait, Désir, c'était conçu comme un vrai concept car parce que moi, je trouvais une direction pour la marque. Alors, j'ai essayé de mettre tous les éléments nécessaires pour qui vont m'aider après, notamment le face avant, le langage de forme, l'esprit sportif. Je n'avais pas entendu un accueil tellement favori. Ça m'a surpris. Et quand les gens ont commencé à parler, bah, il faut le faire, ça nous a quand même fait réfléchir. Alors c'était aussi avec un grand plaisir qu'aujourd'hui on peut presque rouler en Désir dans une version alpine. En fait c'était le Désir d'Alpine qu'on a créé et ça me fait plaisir. Maintenant on réfléchit, comme vous savez, sur l'avenir d'Alpine et qu'est-ce qu'on veut faire. Et ce sera vers la fin de l'année 2012 avant de décider. Et j'espère que quand on va nous poser la question de créer une vraie Alpine, je peux vous assurer qu'on sait exactement quoi faire. La gamme Opel Astra se refait une beauté, découvrons-la en images. L'Astra est le modèle le plus vendu de la gamme Opel. Le constructeur prend donc soin de bichonner son autophare.
Facelift et nouvelles motorisations sont ainsi au programme en cette fin d'année 2012. Un 2 litres CDTI biturbo de 195 chevaux et un 2 litres turbo-essence de 280 chevaux arrivent ainsi dans la gamme, permettant à Opel d'afficher des modèles écologiques à 99 g de CO2, aussi bien qu'une puissante Astra OPC démoniaque. La ligne évolue avec une calandre redessinée, gagne en personnalité avec des blocs optiques intégrant des inserts noirs, et à l'arrière, un jonc chromé trouve sa place dans le bouclier, l'espace dédié à la plaque minéralogique étant également modifié. Des évolutions en douceur qui permettent à ce modèle de rester dans la course face à une concurrence féroce. Mais disons-le, nous avons particulièrement craqué sur l'Astra OPC, qui en plus de son look s'avère une redoutable concurrente à la Mégane RS. Mais cela, nous le jugerons très prochainement, sur piste bien entendu. En exclusivité, découvrez le Yamaha T-Max Hyper Modified par Ludovic Lazaret. Si les performances du nouveau T-Max 530 ne vous suffisent pas et que le style de ce maxi-scooter ne vous semble pas assez radical, voici le T-Max Hyper Modified par Ludovic Lazaret, avec un compresseur pour près de 80 chevaux et une vitesse maximale de presque 200 km/h sur cette piste d'aérodrome. En fait, la collaboration avec Yamaha a commencé en 2012 avec le V-Max. Ils m'ont contacté au mois d'avril 2012 en disant « voilà, on va vous donner un V-Max ». À préparer avec un Allemand et un Américain. Et on a fait trois versions de nos V-Max qui s'appelaient le V-Max Hyper Modified. En fait, quand j'ai vu le T-Max modèle 2012, j'ai été séduit parce qu'ils ont fait un pas en avant. Elle ressemble de plus en plus à une moto hyper sport par rapport aux matériaux utilisés, à la forme du carénage du scooter. Ils ont mis un bras oscillant avec une courroie, ils ont supprimé leur gros carter transmission avec la chaîne. Donc, l'inspiration du T-Max voulait plus moto, c'est pour ça que ça m'a séduit et j'ai vraiment voulu travailler dessus pour arriver au modèle que j'ai fabriqué. J'ai remodifié un peu les formes et les dimensions de l'habillage pour donner un look plus sportif en utilisant un feu de R6 par exemple à l'arrière. En épurant tout l'arrière, en mettant une plaque d'immatriculation sur la roue arrière pour la rendre plus cossue et avoir surtout une inspiration d'agressivité et de moto sportive sur un scooter. C'est la première chose que j'ai fait au niveau de la préparation. Après, j'ai greffé un gros freinage et une fourche de R1 sur la partie avant pour continuer dans l'esprit sportif justement. Donc on a un gros freinage sur l'avant, très progressif, très fort, et une fourche qui est vraiment rigide et qui donne de l'endurance au freinage sur le T-Max. Et pour avoir un gain de puissance, du coup, j'ai greffé un compresseur centrifuge sur le moteur qui souffle à 0,5 bar de pression et qui apporte une vingtaine de chevaux supplémentaires pour une V-Max supérieure et pour une accélération supérieure. Je vais faire une série limitée de 10 modèles qui sera conformément au modèle présent. Et avec la société Air Max, je vais faire un kit complet d'habillage ABS, mais uniquement le carénage en fait, pour qu'il ressemble à ce modèle-là, qui sera vendu en grande diffusion chez les dealers et chez les particuliers. Kia décline sa Ceed avec la version break. Tout de suite, la Ceed Station Wagon. Quelques mois après l'arrivée de sa nouvelle Ceed, Kia lance la déclinaison SW avec la Ceed Station Wagon. De face et plus généralement, sur toute la partie avant, la Station Wagon ne se différencie pas de la version 5 portes. On retrouve la calandre surmontée du logo de la marque coréenne, la forme spécifique des boucliers ou encore les longues optiques qui s'étirent sur toute la longueur des ailes. L'arrière diffère bien entendu totalement, mais on note l'effort fait par les designers pour garder un certain dynamisme à cette poupe. En effet, les feux de ce break sont par exemple bien plus fins et étirés que sur la berline. La ligne de toit descend sans doute un peu plus et le haillon est plus anguleux sur sa partie inférieure pour ne pas alourdir le style général.
À l'intérieur, berline et station wagon sont strictement identiques. Même agencement, équipement et finition, avec une qualité de matériaux et d'assemblage en très net progrès par rapport à la précédente génération. Le coffre, d'un volume maximum de 1642 litres, a fait l'objet de toutes les attentions. Et même si le seuil de chargement n'est pas parfaitement plane, le CID SW affiche de nombreuses astuces. On trouve comme souvent des emplacements sous le plancher, parfaitement plat sur toute sa longueur, lorsqu'on rabat les dossiers 2/3, 1/3 de la banquette. Kia ajoute aux glissières un astucieux système de barres modulables, qu'on peut placer droite ou oblique pour segmenter le volume du coffre ou tout simplement de maintenir des bagages aux formes variées à l'aide des sangles incluses. La CID SW est forcément un peu plus lourde et plus chère à motorisation et finition équivalente que la berline. Avec son moteur 1,6 litre diesel CRDI de 110 chevaux et sa boîte MECA à 6 rapports, elle affiche 45 kg de plus et à 22 390 euros, le surcoût est de 1400 euros en finition style. Le prix à payer pour avoir de 148 à 324 litres de volume de coffre en plus. Et ses passions, avec une américaine de renom, la Chevrolet Corvette, dans une édition spéciale anniversaire. Lorsque l'on parle de la Chevrolet Corvette, des images de sportives américaines roulant sur de longues routes désertiques nous viennent à l'esprit. Cependant, on oublie trop souvent que le constructeur trouve ses origines en Europe, en Suisse plus exactement. Louis Chevrolet, né à La Chaux-de-Fonds, est en effet le fondateur de la marque qui a fêté ses 100 ans en 2011. Et pour célébrer cela dignement, une édition spéciale de la Corvette Grand Sport Centennial Edition a été commercialisée. On remarque avant tout que l'auto se pare entièrement d'un noir dit carbone flash métallique, lui assurant un mélange de sobriété et de classe allant très bien avec sa robe. Louis Chevrolet s'invite également au travers d'un dessin spécifique présent au centre des jantes, sur le volant et sur de discrets stickers. Le logo Corvette se voit également adapté, la fleur de lys rappelant la jeunesse française du fondateur et de la marque, cédant sa place au nombre 100. À bord, l'ambiance reste délicatement chic. La teinte extérieure se décline sur le volant, sur les sièges ou encore sur le tableau de bord. Tout juste quelques surpiqûres rouges viennent-elles égayer l'habitacle. On pardonnera à l'auto ses plastiques peu dignes de son rang ou son GPS au contrôle difficile à appréhender. Elle n'en reste pas moins sportive et attirante. Alors arrêtons de la regarder en chien de faïence. Passons en mode cheveux au vent et répondons à l'appel du V8. Contact! La Corvette est équipée du V8 le moins puissant de la gamme. Enfin, il développe tout de même 437 chevaux à 5900 tours-minute et 575 Nm de couple à 4600 tours-minute. Avec ces chiffres, on prendra soin de maintenir un régime moteur assez élevé pour en tirer les meilleures performances. Mais les moments les plus croustillants ne sont pas dans les vitesses extrêmes, même si Chevrolet annonce une Vmax de 300 km/h sur circuit. Les meilleures sensations sont les relances lorsque l'on écrase la pédale sur le plancher, d'un coup, sans retenue et sans même tomber un rapport. Le V8 Smallbock a toujours de la réserve, et la Corvette plaque ses occupants au fond du siège. De plus, elle ne rechigne pas à faire crisser les pneus si vous déconnectez l'antipatinage. Et pour le plaisir, l'absence de filet anti-remous ajoutera un petit grain de folie avec du vent plein les cheveux dès que la vitesse augmente. En attendant l'arrivée de la C7, prévue en 2013, cette Corvette Grand Sport est basée sur le châssis de la C6, tout en héritant des trains avant de la Z06, dont on aperçoit les étriers de freins rouges. Elle y ajoute également les suspensions actives maison dites Magnetic Selective Ride Control. Et si l'on avait encore des préjugés sur la tenue de route des Américaines, ceux-ci s'effaceront au passage de cette Corvette qui s'avère saine et prête à en découdre sur circuit avec bien des Européennes ou Japonaises, reines de la piste. Si à l'image de la Camaro, la Corvette se vit parfaitement en cruisant, elle a une vraie âme de sportive américaine. Si on fait le rapport prix-sensation,
La Grand Sport en donne pour son argent face à une concurrence souvent bien plus onéreuse. C'est une légende avec un style indémodable qui vous attirera la sympathie de bien des passants et vous donnera envie de parcourir les plaines américaines. Rassurez-vous, elle est cependant tout aussi séduisante sur les routes de nos contrées. Faisons un dernier passage par le Mondial de l'Auto, toujours en compagnie de Pierrick Racotoniena. Le mondial, ce ne sont pas que des automobiles, c'est aussi des accessoires pour sa voiture, à l'image de cet ustensile, et qui vous fait un très bon café, où que vous soyez, tout le long de votre trajet, qui nous permet de déguster un bon espresso. Requinqué, on peut parcourir les allées du mondial et y croiser la DS5 présidentielle, des concepts imaginés par des étudiants à l'image de ce véhicule nommé Emma, une ancienne Civic exposée dans son jus, ou encore les créations de Peugeot Design Lab. Notre visite du Mondial de l'Automobile est maintenant terminée et nous finissons sur une bonne note chez Peugeot.